Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Rébellion avec l'Empire Galactique. Nous sommes de plus en plus proches de nos objectifs finaux sur ce Let's Play. Nous devons encore capturer Mon Mothma et détruire le QG de l'Alliance Rebelle. Nous avons trouvé le QG, je pense, nous avons envoyé une flotte. Je pense pas que le QG sera encore sur place une fois qu'on sera arrivé. Mais au moins, petit à petit, on détecte, vous voyez, les différentes provinces rebelles que les rebelles ont prises. Là, par exemple, le QG, on peut très bien faire le tour de toutes ces planètes si jamais il est plus là pour vérifier s'il n'y est pas avec notre flotte. On pourra envoyer notre flotte aussi pour chercher un petit peu ailleurs. Et comme ça, ça nous permettra de savoir où est-ce qu'il l'envoie. Mais là, normalement, en 1264, on doit arriver. Non, 65 peut-être. Ça y est, on y est. Il n'y a plus rien à Altarn. Et il n'y a plus le truc. C'est bien ça. Donc on va faire un assaut planétaire. Putain. Et sérieusement, vous avez réussi à me détruire tout ça? Et Général Brandey, il est pas génial ce Général Brandey. Ok. On a capturé ce monsieur, donc vous devez vous monter à bord. On envoie Piet qui est là. Parfait. En diplomatie. Et on va très vite fait faire le tour des planètes dans le coin. Voir si... voir si le QG de l'Alliance n'aurait pas été déplacé sur une planète assez proche. Merde. J'ai fait une bêtise, j'ai failli couper la vidéo. Flotte est arrivée à l'Afra. L'Afra est ici et on n'a pas de Stormtrooper disponible de toute façon. Donc il est possible que le QG se trouve sur une de ces planètes là, ou sur une de ces deux planètes là, ou peut-être même sur Yavin 4. Un de nos agents se présente au rapport. En tout cas, l'avantage c'est qu'il n'aura pas eu le temps probablement de construire de grosses défenses sur son QG à ce moment-là. Nous avons reçu un message de la production. Nous avons reçu un message de la maintenance. Ok, bataille Arcania. Quelques A-Wing. Nous avons reçu un message d'un de vos... On a rien perdu. Bon, il est pas là. On va juste lui faire un petit bombardement au passage. Voilà. Ensuite, on va aller à Valrar. Un de nos agents se présente au rapport. Nous avons reçu un message de la production. Un de nos agents se présente au rapport. Ils sont arrivés à Alowan, mais la flotte n'est pas encore rentrée, elle, 1276, donc dans 6 jours. Il faudra que je les fasse monter à bord une fois qu'ils seront arrivés. Putain, encore. Nous avons des nouvelles défavorables quant à la popularité de l'Empire. Nous avons reçu un message de la production. C'est compliqué ça. Bouclier nettoyant noir déployé à Andorre. Bataille à l'Avrar. Donc il n'y a rien ici. Je vais faire même un bombardement des installations civiles. Voilà, coup de chantier de construction. Nous avons reçu un message d'un de vos hommes de terrain. Bon, il y arrive lui. Ouais, ça va, ça progresse petit à petit. D'ailleurs, j'avais pas une autre flotte là de... Je t'oublie, j'ai oublié de te nommer toi. L'Hydra. Voilà. Ok. Nous
nous avons reçu un message de la production. Ok, la flotte vient d'entrer. Un message de l'une de nos flottes indique qu'elle est arrivée à destination. Tout le monde à bord. Un de nos agents. Pas forcément du croiseur Karak, les gars, mettez-vous, installez-vous tranquillement à bord de l'inflexible, regardez. Il y a des installations faites pour. On est arrivé à Fornax. Alors déjà, on va péter ça. Un message nous informe que la flotte impériale a commencé le blocus d'un système ennemi. Un tir. Un de nos agents se présente au rapport. Ah, ils ont fini les... Non, on peut faire un super destroyer, ça va pas ou quoi? Ok, va pour deux escadrons supplémentaires. Ensuite, donc on arrive à Cedri. Ok, bon, on va attendre. Ensuite, on est arrivé à Fornax. Juste à côté, je suis bête. Excusez-moi pour ça. Donc, petit bombardement des installations militaires. Et pas d'installation civile. Donc on va à Yagdul maintenant. Pionnage. Oui, tu m'étonnes que ça se soit bien passé. Un de nos agents se présente au rapport. Il est possible qu'il soit à Yavin. Hein. Nous avons reçu un message de la production. Turcos, quand? Bah tiens. Un de nos agents se présente. C'est ballot ça. Nous avons reçu un message d'un de vos hommes de terrain. Yagdul. Un de nos agents. Juste des défenses de base. Donc ils sont pas là. Ils ont évacué vers un autre secteur. Oh. Merde, on manque de troupes. Bon c'est pas grave, j'en ai pas loin. Regardez. Parfait là. Merde. Ils étaient pas à Firo, tous mes... J'avais pas un gros stack de troupes que j'avais déplacé? Elles se sont fait massacrer par les rebelles? Et c'est abusé. Que désirez-vous? Vos désirs sont les ordres. Le faire depuis plusieurs centres de production. Que désirez-vous? Nous ne disposons pas des équipements nécessaires pour exécuter votre ordre. Bon, du coup, on va rester en orbite de Yagdul, comme ça on va pouvoir réparer et recompléter nos escadrons. Ah, je peux pas parce qu'il y a une rébellion sur place. Et par contre, il faut que j'envoie... On va voir que c'est qu'on va envoyer. Des nouvelles défavorables quant à la popularité de l'Empire. Ben Notos, il a beaucoup de charisme, c'est vrai. Vas-y. Lignerie, d'accord. Nous avons reçu un message d'un de vos hommes de terrain. Ok, où est-ce que vous en êtes ici? 1383, ouais, c'est long. Un putain de Superstar Destroyer quand même. Nous avons reçu un message de la production. Eh, ça répare vite hein, quand on a des chantinables sur place. Hein. L'un de nos escadrons a remplacé ses pertes. Il est maintenant à pleine capacité. Ok. Un de nos agents se présente au rapport.
Nous avons reçu un message d'un de vos hommes de terrain. Nous avons reçu un message de la production. L'un de nos escadrons a remplacé ses pertes. Il est maintenant à pleine capacité. Que lui il a pas reçu ses Stormtroopers, non, malheureusement. Ici, moi Skiro, on est déployé, mais on n'a pas encore de Stormtroopers. Ici, on est déployé, on n'a pas encore de Storm. Ici, on est déployé, on a un Storm. Super. Que désirez-vous ? Vos désirs sont les sorts. Ok, ensuite. Allez, du coup, à Fortex. Faut que j'aille vérifier ces planètes. Eh, mais l'avantage, c'est que sur Celonia, j'ai plein de droïdes d'espionnage. On va aller espionner. On va voir. Est-ce que j'ai des trucs. Ouais. On va réespionner ces provinces. Docteur Quelli, il n'y a pas grand monde ici. Franchement, je suis quasiment certain que c'est Mon Mothma qui est dans la bordure en train de faire de la diplomatie. Si je peux repérer sa position. Ces unités ne peuvent être déployées que dans un système sous votre contrôle. Ok. Bon, ça c'est déjà pas mal. Toute cette ceinture là, on peut l'espionner comme ça du coup. Parce que vu que je vois ces planètes là qui deviennent rouges, alors qu'elles n'étaient pas avant, j'ai presque l'impression que leur diplomate est en train de se balader comme ça quoi. Bon, j'aimerais bien que la flexible finisse de réparer là. C'est quoi ça? Nous avons reçu un message de la main. Merde. Bill Bingry? Sérieux? Un de nos agents se présente au rapport. Pas très gênant ça. Wow. Desper nous rejoint. Cool. Bien joué à Pelaeon. Arcana est une réussite. Où Arcana? Il m'a déjà reconstruit et redéployé un A-Wing sur place. Il y a un message, non. Putain, avec le temps que ça prend, quoi, tu peux pas te permettre d'échouer, Vador. De nos agents se présente au rapport. Je veux que tu m'en fasses des seigneurs Sith, les deux là. Un de nos agents se présente au rapport. Il y a eu Sith et eux, ils continuent de se soulever. Nous avons reçu un message de la production.
Là, honnêtement, la situation dans la galaxie est vachement plus proche de celle dans les films. Avec une alliance rebelle complètement éparpillée à droite à gauche. Nous avons reçu un message de la production. Ah, oh oui. Faut que je lui donne un nom à cette flotte là. J'essaie de voir s'il n'y a pas des noms de flotte sympa là. Sur la page où je suis. Mais non, c'est... Cette page web. Ah non. Bon, vous savez quoi, on va l'appeler Imperial Navy. Voilà. Nous avons reçu un message de la production. L'un de nos escadrons a remplacé ses pertes. Il est maintenant à pleine capacité. Ok, donc la flotte ici, elle est à quoi? Il reste encore l'impitoyable qui est endommagé. Ça me gêne pas d'attendre un peu. Et ici, en termes de production... Il y a beaucoup de choses qui sont encore en production, donc loin d'être d'arriver. Hein. Cédri. Oh, cool. Ah, bien. Il a progressé dans sa mission. Bien joué. Bilmingris ou Blocus. Pourquoi Bilmingris? Ici. Quelques chantiers navaux. Non mais t'es sérieux, tu me bombardes mes installations civiles. Je pense que ça va diminuer ma production ou... Bah oui, ça va diminuer ma production, mais... C'est quoi, ça juste un transporteur d'escorte? Ah, si seulement j'avais un destroyer stellaire impérial dans les environs. Bon. J'ai pas envie de partir à cause de l'insurrection. Ouais. Bon, comment qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous avons reçu un message de la production. L'un de nos escadrons a remplacé ses pertes. Il est maintenant à pleine capacité. Un de nos agents se présente au rapport. Ah, on aurait d'autres messages de toute façon si ça changeait. Sur Altir, on vient de faire des intercepteurs. Faudrait quoi, un petit vaisseau de soutien? Oui, j'en ai un de truc. Hein. Là, on va faire un transporteur d'escorte. Bon, bah sur Hot, c'est à nous. Que désirez-vous? Nous ne disposons pas des équipements nécessaires pour exercer. Toutes mes casernes sont au boulot. Ordre.
reçu un message de la production. Un message de l'une de nos flottes indique qu'elle est arrivée à destination. Un message nous informe que la réparation d'un de nos vaisseaux est terminée et qu'il est tout à fait opérationnel. Ok, l'accusateur est réparé. Mindar, c'est à nous, Mindar. Donc on peut aller à Naluta. Chez les Hutt. Nous avons reçu un message de la production. La pitoyenne est réparée. Qu'est-ce qu'on en a ici? 1405. Ça, c'est parce qu'on manque de matière raffinée, quoi. Nous avons reçu un message de la production. Anoat. Un de nos agents se présente au rapport. Ok. Pas de diplomate rebelle en vue. Un message de l'une de nos flottes indique qu'elle est arrivée à destination. Un nouveau destroyer victoire. Je vais me garder les deux flottes ouvertes. Nous avons reçu un message de la production. Un de nos agents se présente au rapport. Ah, il est où ? C'est où déjà le joyau là ? Le joyau de la galaxie. Qu'est-ce que ça veut dire en Hutt, Naluta ? Le joyau. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que là, il y a besoin que de 5 régiments. Peut-être en envoyer un là, ici. Bon, après, il me dit du coup au bord de l'insurrection, mais je pense que Piet devrait arriver à s'en sortir. D.I.R. Attendez, stop. Où c'est D.I.R. Ok, c'est là. Il y en a 9 à l'horizon. Antinaval en attente sur Alowan. Putain, il a déjà fini son transporteur d'escorte. Ah non. Nous avons reçu un message de la production. Ah mais il me rouvre l'endroit où le droïde est rentré. Il m'ouvre pas l'endroit où il était. C'est la guise, y'a rien. Lui il a bien avancé, ça c'est cool. On va pouvoir aller prendre Togoria après. Nous avons reçu un message de la production. Bespin, ça je sais où c'est. Ok, personne. Un de nos agents se présente au rapport. Ça, ça m'intéresse. Fef. Fef. Il ne reste plus quel road. Espionnage sur Gentes. Je parie que c'est là. Ok, donc pas d'activité de diplomate rebelle dans les environs. Alors. Ok, donc lui il a bien progressé à nouveau.
Bevel Nemesis, ok, Binesada. Binesada, il en branle pas une, il est où? Secteur Fakir sur Alohan, d'accord. Ouais, ici. Mais on est encore très endommagé. Ouais, le dévastateur encore. On va attendre un peu du coup. Garidan sur Impérial. Kiev. Kiev avait été tué. Gergeron, ouais. Abonsan, Nidan, Volgarin, Orlok. Pelion est sur Despair, ok. J'ai tous mes diplomates au boulot. Il en reste. Ouais, bon, je... On va attendre en espérant que Tartanas arrive à progresser rapidement. J'ai reçu un message de la production. Merde. Un message de l'une de nos flottes indique. Putain, il va me péter mes. Il va me péter mes galions. Le blaze. Un de nos agents se présente au rapport. T'es où? T'es... Caridin? Coucou. Ah, il est déjà parti, l'enfoiré. Bien sûr qu'il est déjà parti. Ah, c'était bien vu, de sa part sur ce coup-là. Nous avons reçu un message de la production. Ok. Un de nos agents se présente au rapport. Ostris, c'était là. Donc, pas d'informations complémentaires intéressantes. Oh merde. Après, ils ont fini. Hein. On va les prendre d'Atomir. Et la route, c'est où? Ah d'accord, c'est là. Que désirez-vous? Ah merde. Nous avons reçu un message de la production. Un message de l'une de nos flottes indique qu'elle est arrivée à destination. Nous avons reçu un message d'un de vos hommes de terrain. Ah bah putain, il a fini. C'est pas beau ça. T'étais dans quel secteur déjà? Despair. Secteur Atrivis. Ah bah c'est bien ça, c'est juste à côté. Ok. Ce qu'on va faire... On est à 3 sur 6 ici. Garnison requise 0. Hop, on renvoie. On va se déplacer à Despair vite fait. On va embarquer Pelion, qui va être un excellent général. 38 en charisme. On va prendre Togoria. Comme ça, lui, on va le laisser finir. Comme ça, pendant que Pelion travaille ici, hop, on ira prendre Fedge. Et du coup, ça pourrait être pas mal d'avoir un petit peu plus de Dark Trooper dans les environs. Vos désirs sont les ordres. Voilà. Nous avons reçu un message de la production. Un message de l'une de nos flottes indique qu'elle est arrivée à destination. Un de nos agents se présente au rapport. Nous avons reçu un message. Avec lui, ça progresse. On sait toujours pas où est Mon Mothma. Position inconnue. Il va falloir qu'on la trouve un moment ou un autre. Hein. Que désirez-vous?
Ok, donc ce secteur est virtuellement terminé. Et je vais faire une pause ici. Sauvegarde à la fin de chaque épisode. Voilà, bon bah écoutez, j'espère sincèrement qu'au prochain épisode, on va arriver à détecter la position du QG de la flotte rebelle. Il est possible qu'il se soit replié dans les mondes du noyau, hein. Mais bon, je préfère faire vraiment un balayage complet des mondes de la bordure avant de retourner vers les mondes du noyau. Pour finir, je pense que on va garder la 16 Vena Fleet qu'on a ici pour continuer à balayer les mondes de la bordure. Pendant que la flotte qui est à la Loan, après s'être occupée de ces 4 là, va venir s'occuper de ces 4 là. Et ensuite va remonter au secteur de l'Omar pour prendre ces 3 là. Voilà, comme ça on les prend de deux côtés. Allez, bonne journée à tous et à bientôt pour le prochain épisode.